Laurent, ancien participant de L'Amour est dans le Pré, a retrouvé le bonheur depuis quelques mois entre les bras de Céline. L'agriculteur nous a raconté comment l'histoire de son couple est née. Laurent et Maud avaient marqué la 14e saison de L'Amour est dans le Pré. Leur coup de foudre lors du speed dating avait ému les téléspectateurs qui avaient suivi leur belle histoire durant plusieurs semaines. Une fois la diffusion du programme achevée, sur les réseaux, lors de L'Amour vu du Pré, à chacun de leur passage, le public était au rendez-vous. Même lorsque le couple a fait connaître leurs difficultés financières, les téléspectateurs ont été au rendez-vous pour les soutenir. Malheureusement, la vie prend parfois le pas des sentiments. À l'automne dernier, le couple se sépare, Laurent s'effondre et bataille contre des idées noires. Quelques mois plus tard, un échange avec une certaine Céline lui redonne espoir. Rencontré à l'occasion de Lady P Tour, Laurent a raconté à Télé Loisirs comment cette histoire est née. J'avais mis sa lettre sur ma table de nuit, comment Céline et Laurent de L'Amour et dans le Pré 14 se sont rencontrés suite au départ de Maud, aidé par Cathy et Fred, j'ai ouvert un compte Instagram où j'ai annoncé qu'on n'était plus ensemble. En fin d'année 2022, j'avais reçu 11 lettres et parmi elles, celle de Céline que j'avais mise de côté sur ma table de nuit car elle m'avait beaucoup touché, nous explique Laurent, intarissable lorsqu'il s'agit de nous parler de celle qui fait battre son cœur. L'éleveur nous explique alors qu'il n'hésite pas très téléphone et qu'il décide donc d'y répondre quelques mois plus tard. Mais Céline ne l'entend pas de cette oreille. Déterminée à mettre toutes ses chances de son côté, elle profite de Lady P Tour organisée début avril chez Cathy pour faire le chemin depuis Royan. Elle est venue avec sa maman et une de ses tantes sans rien leur dire. Elle cesse de déplacer pour nous voir. Pour me voir, précise-t-il encore le regard malicieux. Puis, il poursuit, elle est arrivée chez Cathy, elle a fait le tour puis est venue m'acheter des terrines. Je lui ai marqué un petit mot, comme je le fais habituellement. Ensuite, elle est allée voir Nanou qui était une prétendante d'un autre agriculteur et Pierre et Fred. Elle leur a dit Lolo ne m'a même pas calculé. L'Amour est dans le Pré, elle sait cet amour arraché de mes enfants. Eux aussi. Laurent a présenté sa compagne Céline à ses enfants il n'en faut pas plus à Fred, très actif dans la famille ADP, pour secouer l'agriculteur. Il nous raconte alors que Fred fonce sur moi et me dit t'abuses, elle a l'air super gentille, elle t'a écrit, il faut que tu ailles la rencontrer. Mes amis qui tenaient le stand avec moi m'ont dit d'y aller, alors on s'est fait un speed dating. On a beaucoup discuté. Un repas plus tard, durant lequel il n'a pas omis de lui dire que sa lettre trônait sur sa table de nuit, et le début de cette idylle était sur de très bons rails. Aujourd'hui, en plus d'être comblé, Laurent est ravi que l'alchimie prenne aussi avec ceux qui ont une très grande place dans sa vie, elle s'est amourachée de mes enfants, eux aussi. Ils prennent souvent de ces nouvelles, nous précise-t-il dans un grand sourire. L'agriculteur évoquera cette toute jeune relation, lundi 7 août prochain, dans le premier volet du Que sont-ils devenus ? De L'Amour est dans le Pré. On your